Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Cette année, parmi les nouveautés, il y a le cyclo-cardio. Cyclo comme vélo et cardio comme... Oulala, ça va faire mal aux jambes. J'aurais bien aimé vous faire une démonstration, mais malheureusement, you, la selle n'est pas à ma hauteur. Donc je ne peux... Oui, désolé. Merci. Oui, mais de toute manière, la chaîne n'est pas graissée. Je voudrais bien, mais je ne peux pas... Je peux pas le... Oui, c'est très gentil, c'est très aimable. Oui, mais de toute façon, je n'ai pas la clé du cadenas. Oui, parce que c'est très sécurisé, tout ça. C'est... Ah, oui. La clé du cadenas, hein? Piégé! Allez, en place, tout le monde. Les candidats arrivent. Aujourd'hui sur le fort, nous accueillons du lourd et du costaud puisque nous avons avec nous 4 rugbymen. Marc-Olivier Mont, ancien international et actuel sélectionneur de l'équipe de France. Il est venu accompagné de ses deux frères jumeaux, Pierre et Luc Lièvremont, tous deux membres du club castagnais, ainsi que de Benjamin Kayser, champion de France 2007 avec le Stade français. Et pour mettre un peu de douceur dans ce monde de muscles, nous pouvons faire confiance à Alice Renoubouillet et Alicia Maury, danseuses et Bluebell Girls au Lido. Ils sont unis pour le meilleur et pour l'association MVE qui aide à la réinsertion et à la reconstruction des enfants. Ensemble, ils vont se surpasser et tenter de gagner un maximum de boyards. On leur souhaite bon courage et bonne chance. Et ben voilà, vous y êtes. Bienvenue à Fort Boyard. Alors regardez, droit devant vous, vous avez la vigie du Perfora, derrière la salle du trésor, les cellules, les prisons en dessous. Je vous présente Paston et puis Passepartout. Ça va, Passepartout? Comment tu trouves l'équipe? Quelque chose à rajouter, Passepartout? Bon, bah, je crois qu'on s'est tout dit. Les mots sont parfois inutiles, hein. Le mieux c'est encore de passer à l'action. On rejoint Olivier qui nous attend devant la première cellule. Et puis si vous trouvez des rats, des araignées sur votre passage, c'est juste qu'on n'a pas le temps de faire le ménage ici. Ne vous inquiétez pas, vous ne laissez pas distraire. On y va!